Peut-être que je dois commencer ce sermon de Kippour en vous demandant pardon. Pas simplement parce que c'est le jour du grand pardon, mais pour une raison plus simple que je pourrais énoncer en une seule phrase. J'ai essayé, vraiment essayé, de ne pas écrire le sermon que vous vous apprêtez à entendre, mais je n'y suis pas arrivée. Je me suis dit encore et encore que ce n'était pas une bonne idée, que je ferais mieux de parler d'autre chose, que peut-être on risquait de se fâcher. Et puis en l'écrivant, j'ai beaucoup pensé à ce dessin de presse si célèbre qui a été publié au moment de l'affaire Dreyfus. Vous connaissez forcément cette image. On voit une table bien dressée, un dîner serein, mondain, civilisé. Et sous le dessin, il est écrit « Surtout, ne parlons pas de l'affaire ». Et puis sur l'image suivante, la table est renversée, la vaisselle est cassée. Les convives sont en train de s'étrangler et la légende précise en quatre mots, au cas où vous ne l'aurez pas compris, ils en ont parlé. Et moi ce soir, j'entends une voix en moi qui me dit « n'en parlons pas ». Et une autre voix qui lui répond « si, tu n'as pas le choix ». Et qui dit « pense à la date à laquelle nous sommes et souviens-toi ». Chers amis, ce soir, jour solennel de Yom Kippour dans lequel nous entrons, nous sommes précisément à une date anniversaire connue de tous. Il y a 50 ans, jour pour jour, à l'office de Kol Nidre, 1973, allait débuter dans quelques heures la terrible guerre qui porterait pour toujours le nom de cette journée solennelle, la guerre de Kippour. Et je le sais, certains dans cette salle savent exactement où ils étaient ce jour-là, qui leur a annoncé la nouvelle. De quelle manière, au cœur même des offices, peut-être qu'ils ont allumé des transistors, prié avec inquiétude ou peut-être pleuré, en se demandant peut-être pourquoi Israël s'était fait surprendre ou ne s'était peut-être pas suffisamment préparé. Et des milliers de soldats allaient mourir et de nombreux Israéliens furent bombardés par l'armée égyptienne dans le désert du Sinaï. 50 ans plus tard, la douleur est encore vive pour bien des familles qui ont perdu leurs enfants. Et vous me voyez venir avec mes gros sabots, peut-être je devrais dire avec ma grosse artillerie. Ces derniers jours, en réfléchissant à l'écriture de ce sermon, il m'a semblé que je n'avais pas le choix. Et que ce soir, je devais vous parler d'Israël. Vous parler de cette douleur que beaucoup d'entre nous ressentent aujourd'hui face à la crise terrible que ce pays traverse. Une polarisation extrême qui a porté au pouvoir un gouvernement et des ministres d'extrême droite, un messianisme ultranationaliste. Et face à cela, pour la 38e semaine d'affilée, des centaines de milliers de personnes dans la rue qui sortent pour dire leur inquiétude pour la démocratie, leur inquiétude face à la montée du fanatisme religieux, de la violence politique, la menace pour le droit des femmes, la montée du fanatisme qui fait soudain exiger qu'elles se couvrent dans la rue ou qu'elles s'assoient au fond du bus, qui pousse d'autres à tolérer ou à couvrir la violence de jeunes juifs contre des villages arabes, des attaques contre des minorités, la montée de discours de suprématie ou de violence contre la diversité religieuse, contre des sensibilités juives non orthodoxes aussi, et la remise en question des institutions judiciaires dans leur rôle de contre-pouvoir et la multiplication d'arguments souvent populistes, de revendications ultra-orthodoxes. Et bien sûr, nous sommes nombreux à regarder ça avec angoisse et aussi avec la force de tout notre attachement et de notre amour pour ce pays. Et pour beaucoup d'entre nous, avec la conviction de notre sionisme, qui soudain peine parfois à se retrouver dans le discours de ceux qui revendiquent ce même amour d'Israël et du sionisme pour un projet qui apparaît comme aux antipodes de nos aspirations. Et je sais par cœur, je connais toutes les résistances et les mises en garde énoncées par les uns et les autres contre ceux qui expriment depuis la diaspora leur critique du gouvernement israélien. Il y a ceux qui disent « c'est pas notre rôle, nous ne vivons pas là-bas, nous ne votons pas, nous ne servons pas dans l'armée ». Il y a ceux qui disent « lavons notre linge sale en famille ». N'exposons pas au monde des failles qui vont peut-être vulnérabiliser Israël face à des ennemis ou des gens mal intentionnés qui cherchent en toutes circonstances à le détruire. Il y a ceux qui disent, ne soyons pas naïfs, n'oublions pas
Quel discours antisioniste et antisémite peuvent être tenus par tant de leaders qui n'en loupent pas une pour multiplier des ignominies? Par exemple, cette semaine, vous l'avez sans doute entendu, le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas a tenu des propos clairement antisémites. Et puis, pas plus tard qu'il y a 3 jours, le président tunisien déclarait, accrochez-vous bien, que les catastrophes climatiques qui frappent l'Afrique du Nord sont sûrement une attaque sioniste. Preuve irréfutable, l'ouragan Daniel porte un nom juif. Je sais, c'est tellement grotesque qu'on aurait presque envie d'en rire. Et puis, il y a ceux, enfin, qui disent « Ah, ah, Yom Kippour n'est pas le jour pour faire un discours politique, c'est un jour d'unité, de consensus, à quoi bon marquer les tensions entre nous, les rappeler à notre conscience ?» Pourtant, chers amis, bien que connaissant tous ces arguments, je me tiens devant vous en cet instant solennel, convaincue que plus que jamais, il nous faut en parler. Plus que jamais, Israël, je crois, a besoin des voix de la diaspora, de toutes ces voix, y compris des plus critiques, celles qui parlent avec la force de leur amour et la conviction solide de leur attachement à ce pays, celles qui disent le malaise et la douleur qui se sont emparées de beaucoup d'entre nous. Il y a 50 ans tout juste, Israël, encore grisé par ce succès miraculeux de la guerre des 6 jours et les territoires conquis et la force de son armée, ne semblait pas se percevoir vulnérable et s'est soudain trouvé désemparé au premier jour de la guerre. À la frontière égyptienne, les combats faisaient rage et soudain, un homme inattendu a surgi. Il a rendu visite aux troupes. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette visite, mais vous connaissez forcément cet individu. Il s'appelait Leonard Cohen. Et le célèbre chanteur Leonard Cohen a accompagné les troupes israéliennes sur le terrain. Et c'est là que l'homme qui écrira près de 10 ans plus tard son célébrissime Alléluia a composé un autre air que vous connaissez peut-être. Cette chanson a été écrite pendant la guerre de Kippour. Et cette chanson s'appelle en anglais « Who by Fire ». Elle dit en substance « Who by fire ?» Qui va périr par le feu? Qui va périr par l'eau? Qui mourra en plein jour et qui, une fois la nuit tombée? Qui mourra de faim et qui mourra de soif? Et la chanson lancinante encore et encore répète « Who shall I say is calling ?» Ce qui signifie en anglais, plutôt canadien, « Qui dois-je annoncer ?» Mais ces paroles, beaucoup d'entre vous les connaissent aussi, même s'ils ne connaissent pas la chanson de Leonard Cohen. Ils connaissent ces mots, s'ils sont déjà venus à Kippour, dans cette synagogue ou dans une autre, parce que ces mots, à peine retouchés, sont tirés du livre que vous tenez entre les mains en cet instant. Et d'ailleurs, ces mots, on va les chanter demain matin, au cœur de l'office de Moussaf. Je vous invite, si vous le souhaitez, si vous ne me croyez pas sur parole, à ouvrir vos livres à la page 410, et vous verrez, ils apparaissent là, dans la prière solennelle du « Où netan et tokef ?» Il est écrit, et ce n'est pas traduit en français dans notre sidour, mais c'est en hébreu, « Car Rosh Hashanah, l'arrêt est prononcé, à Yom Kippour, il est scellé. » Et là, la liturgie hébraïque poursuit ainsi. « Mi yichye ou mi yamut ?» Comme dans la chanson de Cohen. « Qui va vivre ? Qui va mourir ?»« Mi bamaim ?» ou « mi ba'esh », etc., etc. « Qui par le feu ? Qui par l'eau ? Qui en son temps ?» qui avant l'heure prévue, etc., etc. Et maintenant, vous le comprenez, pendant la guerre de Kippour, Leonard Cohen assiste à des combats terribles et il va alors aller puiser dans la liturgie de Kippour pour écrire une de ses plus belles chansons, une réflexion sur la vulnérabilité, la mortalité et la finitude de notre condition humaine. Et aucune fête du calendrier juif ne raconte mieux que celle dans laquelle on entre ce soir cette conscience. En fait, on va dire encore et encore dans les prières pendant 24 heures que nous nous tenons face à Dieu sans pouvoir, anim et mas, poussière et cendre, afar ve'efer, conscient de notre impuissance. Et quel rapport cela a-t-il avec la question d'Israël, la crise qu'il traverse et le mal-être que beaucoup d'entre nous perçoivent aujourd'hui? Laissez-moi lentement y venir. Mais pour ça, je dois faire un petit détour par le calendrier juif. Yom Kippour tombe toujours au mois de Tishri, à la même saison de l'année, évidemment, systématiquement, au moment où dans le rouleau de la Torah, on lit les mêmes extraits.
Pour le dire autrement, tout au long de l'année, on lit, vous le savez, la paracha, semaine après semaine, dans la Torah, épisode après épisode. Mais quand surgit Kippour, le temps de l'introspection, année après année, nous sommes toujours, toujours en train de lire le même passage dans la Torah. Nous entrons dans les jours redoutables pendant la lecture du livre du Deutéronome, le dernier livre du Pentateuque, qu'on appelle parfois le Testament de Moïse. Bref, si vous êtes venu à la synagogue ces dernières semaines, n'importe quel Shabbat, vous avez forcément entendu la lecture du livre du Deutéronome. Et nos sages nous disent « Assure-toi de faire dialoguer le message du Deutéronome avec les jours redoutables. » Que dit donc ce livre du Deutéronome ? En fait, c'est un message que Moïse adresse aux Hébreux, au peuple réuni au seuil de la terre promise, où il s'apprête à entrer. Moïse, lui, sait à cet instant du récit qu'il n'entrera pas en Israël. Il est un homme de la diaspora, il est né en Égypte, il va mourir dans le désert, il ne posera jamais les pieds en terre promise, mais il adresse dans ce livre des recommandations, des mises en garde depuis la diaspora, aux hommes et aux femmes qui s'apprêtent à s'y installer. Bien sûr, ces hommes et ces femmes vont devoir être forts et combattre et lutter et mener des guerres pour s'installer, mais ce n'est pas le message que Moïse leur délivre. Et à la place, encore et encore, il va insister sur trois idées, ce qu'on pourrait appeler les trois leçons du Deutéronome. Moïse dit aux Hébreux, « Viendra un jour où vous serez tranquillement installés sur cette terre. Viendra un jour où vous aurez une souveraineté sur ce territoire. » Et à ce moment-là, plusieurs choses vont vous arriver. D'abord, dit Moïse, quand vous serez propriétaire terrien, vous devrez absolument récolter les premiers fruits de votre champ et immédiatement les apporter au grand prêtre, les lui donner, vous en déposséder. Et alors vous devrez dire, mon ancêtre était un migrant. Aramé, Oved, Avi. C'est une drôle de phrase de sédentaire. Ça a une étrange façon de se débarrasser de sa récolte. Mais ce n'est pas tout. Deuxième message du livre du Deutéronome, Moïse dit aux Hébreux, « Viendra un jour où vous serez installés sur cette terre et vous aurez soudain envie de placer à votre tête un roi, un chef, un leader, exactement comme les autres nations. Assurez-vous alors, dit Moïse, que ce roi ne soit pas trop arrogant. Assurez-vous qu'il n'ait en sa possession ni trop d'argent, ni trop de femmes, ni trop de chevaux. » Traduction de cette allégorie, « Assurez-vous, dit Moïse, que votre chef ne soit pas trop obsédé par son pouvoir financier ou militaire, ce qui est représenté ici par les chevaux, et par le pouvoir politique symbolisé par les femmes, c'est-à-dire des alliances contractées avec d'autres territoires. » Et puis, troisième mise en garde du livre du Deutéronome, et celle-là ne cesse d'être répétée, Moïse dit aux Hébreux, « Il arrivera qu'installé sur votre terre, vous deveniez idolâtre, et que vous rendiez un culte à des divinités locales. La divinité cananéenne dans le Deutéronome porte un nom particulier. On l'appelle Baal. Le culte de Baal, c'est le service d'un dieu cananéen. » Oui, mais voilà, en hébreu, Baal, ça veut dire autre chose. Ça veut dire propriétaire. Le culte de Baal, en hébreu, c'est le culte de la possession et de la propriété. Je m'arrête là un instant. Pour m'assurer que vous entendiez résonner les mots qui ne sont pas les miens, mais qui sont ceux du livre que nous lisons actuellement dans toutes les synagogues. Ces mots qui doivent être lus chaque année avant d'entrer dans Kippour. Le peuple, aux portes de la terre promise, et nous, aux portes des jours redoutables, nous devons entendre les mêmes choses. Toute souveraineté s'accompagne de menaces. Tout simplement parce que toute installation et toute force s'accompagnent de menaces. La menace de se croire pleinement propriétaire, la menace d'idolâtrer la possession, ou la force militaire, ou la puissance financière, ou le culte du chef. Et puis Moïse enseigne de façon paradoxale et puissante que la première chose que doit faire un propriétaire sur la terre, c'est d'être prêt à renoncer à une partie de sa propriété, de donner un peu des fruits de son champ, et de se souvenir de sa migration, c'est-à-dire de sa fragilité, et de tout ce que ses ancêtres n'ont pas possédé. Et tandis que je lis ces textes, semaine après semaine à la synagogue, je ne cesse de penser à ce qui déchire aujourd'hui le peuple d'Israël et ce pays qui nous est si cher. La façon dont, pour certains, il faut le reconnaître,
Le sionisme est un peu devenu synonyme de pouvoir et de puissance et de propriété. Et la façon dont un parti d'extrême droite, aujourd'hui aux commandes à des postes clés, s'est donné un nom très étrange dans la tradition juive. Le parti de Ben-Gvir, vous le savez sans doute, s'appelle Otzma Yehudit, ça veut dire la puissance juive. De quelle puissance est-il question et où nous mène-t-elle exactement dans l'histoire ? Et voilà comment des leaders politiques affirment aujourd'hui représenter des valeurs juives, défendre un État juif, quitte à ce qu'il ne soit pas démocratique, en habillant leur judaïsme de noms ou de discours qu'on pourrait aisément qualifier de problématiques pour une certaine sagesse juive ou rabbinique, une sagesse de vulnérabilité, une conscience d'un dialogue nécessaire en nous entre la puissance et l'impuissance. Et je sais ce que certains pensent ici ou diront sans doute, Israël est menacé. Israël n'a pas le luxe d'être impuissant ou faillible ou vulnérable. Il se doit d'être fort et engagé dans un combat de survie depuis des décennies. Certes, et pourtant, par-delà cette menace extérieure, il en est une, je crois, plus terrifiante encore, celle que nous a déjà enseignée l'histoire. Parce que cette situation n'est pas sans précédent historique. À deux reprises déjà, les Juifs ont connu une souveraineté sur la terre d'Israël. Ils ont dirigé une forme étatique, eu un pouvoir politique, une continuité territoriale, une armée et tout ce qui fait une pleine souveraineté. Petite leçon d'histoire. Il y a près de 3000 ans fut établie la première souveraineté juive en Israël. Continuité territoriale, armée, chef, on ne peut plus connu, ce roi s'appelle David. Il a vaincu Goliath, il instaure un royaume qui unit les territoires de Judée et d'Israël, il fait de Jérusalem sa capitale, David règne 33 ans, son fils Salomon prend sa suite, il assoit son pouvoir pendant 40 ans et le royaume est fort et puissant et le fils de Salomon qui s'appelle Rehoboam prend la suite du leadership, c'est la troisième génération qui connaît le pouvoir et l'installation. Et sous son règne, les tribus d'Israël se déchirent et le peuple s'affronte. Et voilà qu'en l'espace de deux ans seulement, les royaumes de Juda et d'Israël deviennent ennemis et se séparent l'un de l'autre. Fin de la première souveraineté juive sur le territoire complet. Se sont écoulés exactement 75 ans. 1000 ans plus tard, s'érige une deuxième souveraineté juive. Les rois asmonéens règnent sur le pays, les héritiers des Maccabim, de l'histoire de Hanouka, vous vous souvenez? Cette monarchie, elle est fondée en moins 140 de notre ère. Elle installe une pleine souveraineté, riche et puissante, et elle durera jusqu'en moins 63, lorsque, après des combats internes de la population juive, Pompée et les Romains prennent le pouvoir sur Jérusalem. Pompée et les Romains prennent le pouvoir sur Jérusalem. Fin de la souveraineté. 77 ans se sont écoulés. Et il faudra attendre 1948 pour qu'une troisième souveraineté voie le jour, celle de l'État d'Israël que nous connaissons. Mais écoutez, raisonnez ces chiffres terrifiants. La première souveraineté a duré 75 ans. La deuxième aussi, à deux ans près. Et voilà que la troisième est rongée aujourd'hui par les mêmes affrontements, de mêmes fanatismes qui surgissent, des visions du monde, du judaïsme, qui ne parviennent pas à se réconcilier. Et voilà qu'Israël a 75 ans, l'âge où toutes les souverainetés précédentes se sont effondrées. Existe-t-il une malédiction ? Sommes-nous tragiquement condamnés à répéter un scénario catastrophique ? Pouvons-nous trouver comment enfin ne pas séparer Juda et Israël ? Comment ne pas voir s'effondrer une maison qui nous est si chère. Pardon, je voulais tant ne pas écrire le serment que je viens de prononcer, mais je n'y suis pas arrivée. Je crois qu'un défi nous est posé à tous maintenant, à ceux qui vivent là-bas, bien sûr, et qui doivent trouver comment vivre ensemble, mais aussi à nous qui vivons loin de là, qui avons l'avenir d'Israël au cœur, et qui avons le devoir, me semble-t-il, de faire résonner la voix du Deutéronome, celle de Moïse, qui, depuis la diaspora, s'adresse à un peuple en chemin vers l'installation, et peut-être lui dire, hors de l'État d'Israël, « Il arrivera qu'une fois installé sur ta terre, tu te crois fort, mais soudain, tu perçoives tes brisures.
Il arrivera que résonnent des voix apparemment irréconciliables, des tribus qui se détestent, qui aspirent à se séparer. Et alors, tu devras plus que tout chérir non pas la force, mais la faille. Non pas chercher l'unité, mais respecter les voix dissonantes qui résonnent en ton sein et qui pourront encore peut-être trouver un chemin de dialogue. Et c'est ce même enseignement qu'à sa manière, un homme nommé Leonard Cohen, qui n'était pas combattant de l'armée israélienne, mais qui était venu faire résonner ce message aux oreilles de soldats sur un champ de bataille, a dit, il y a 50 ans, « Soyez conscients de votre force, mais aussi de votre fragilité. Méfiez-vous de la puissance quand elle vous mène simplement à vouloir écraser un autre. Parce que sinon, who shall I say is calling ? Qui doit-on annoncer ? Ou plutôt, quel terrible avenir sommes-nous en train d'annoncer ? Vous le savez, bien plus tard, ce même chanteur écrira un extraordinaire Alléluia et beaucoup d'autres chansons qui résonnent à beaucoup de nos oreilles comme de vraies prières. Dans une de ces chansons, vous vous en souvenez peut-être, Leonard Cohen écrit « There is a crack in everything. That's how the light gets in. » Il y a une brisure dans chaque chose et c'est là que la lumière peut se faufiler. Au cœur de l'obscurité de la nuit de Kippour, au cœur de l'obscurité du monde qui nous entoure, assurons-nous, où que nous nous trouvions, de laisser un peu de lumière nous traverser, traverser nos doutes et nos certitudes, pour rallumer en chacun de nous un peu d'espoir. Puissions-nous être inscrits dans le livre de la vie. Amen.